Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, je vais parler donc de la nouvelle mère de clan qui accompagne le 13e cycle lunaire à partir du 18 décembre, ce sera jusqu'au 16 janvier. Cette mère s'appelle celle qui devient sa vision. En fait, elle est particulière puisque c'est la gardienne du 13e cycle et c'est aussi la gardienne de tous les autres cycles. Alors, c'est une gardienne qui parle de la transformation et la transformation pour l'élévation de l'esprit. Alors, elle nous apprend à avancer à travers chaque leçon de chaque cycle en fait de transformation pour évoluer spirituellement. En fait, c'est celle qui nous accompagne sur tous les cycles. Elle nous aide à rester sur les chemins que nous avons choisis. Alors, sachant que les chemins que nous avons choisis, c'est des chemins choisis par le cœur, bien sûr. Et elle nous aide aussi à ne pas nous enfermer dans des illusions ou des choses assez limitées. Ensuite, c'est aussi une mère qui nous aide à réaliser que il n'y a pas de différence entre nous, entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Donc il y a cette notion que moi je vois sous forme de fractal, un petit peu comme les choux-fleurs, où on le voit bien sur les choux romanesco, c'est-à-dire que la moindre petite pointe du chou romanesco est exactement à l'image de tout le chou. Donc on a ça en nous, on porte en nous le monde et le monde nous porte aussi. Ça veut dire que tout le travail d'apaisement, tout le travail d'amour que l'on peut faire en soi, c'est quelque chose que l'on fait aussi pour le monde. Voilà. Autre chose qui est assez intéressante, je trouve, il y a aussi ce message sur le fait que chaque fois qu'on effectue une transformation, le livre dit en devenant notre vision, c'est-à-dire en réalisant quelque chose, en faisant un pas en avant, alors il nous est montré une vision plus large. Et donc on a cette idée de spirale de l'évolution, on n'arrive jamais à un point qui se termine, on va toujours grandir. Et donc on passe par des phases qui vont nous aider à avancer et toujours plus loin. Voilà, donc ça se termine jamais, donc on est toujours en phase d'évolution. Voilà, et c'est aussi la gardienne, je vous le dis parce que c'est très beau, c'est la gardienne de la prophétie de l'unité, celle qui va permettre de manifester le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. C'est magnifique, j'adore cette image. Donc c'est le monde de paix, le monde de l'unité. Voilà, donc je vais passer maintenant au tirage par signe. Alors, pour nous accompagner, j'ai oublié de vous dire, je me suis blessée, donc j'ai mis un petit pansement. Je vais le faire avec l'autre main. Donc, j'ai toujours le petit cœur que mes enfants m'ont ramené de Guadeloupe, qui est fait avec un petit morceau de corail, en fait, il y a un cœur qui s'est naturellement formé. Et ici, c'est la plume qui, pour moi, représente ma hâte, la vérité, l'équilibre, la pesée du cœur aussi. Bon, c'est pas une plume d'autruche, c'est une plume de héron que j'ai trouvée, mais elle représente pour moi cette énergie de mat. Et cette carte-là, c'est une œuvre de Suzanne Sédon-Boulet, et j'aime beaucoup l'image du papillon qui représente donc la transformation. On va garder la lumière, on en a besoin, puis on va arriver, donc on a passé le 8 décembre, la fête de la lumière, et là on est sur... arriver sur Noël qui est aussi la fête de l'amour et de la lumière. Donc pour le bélier, donc vous voyez que j'ai utilisé les cartes du voyage de Rita Van, et pour accompagner ces cartes là j'ai utilisé l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild, donc qui donne un cristal plus une déesse, un maître ascensionné, un ange pour accompagner la semaine. Alors, il faut que je change un tout petit peu. Hop. Voilà, parce que les cartes sont assez grandes. Voilà. Hop.
Alors, donc, pour les béliers, vous voyez qu'on a la carte de la foudre. Donc, pour vous, vous allez être accompagné par l'ange Raziel et vous pouvez vous accompagner aussi d'une pierre qui est la piéterzite. En tout cas, c'est elle qui va vous aussi vous, même si vous ne l'avez pas avec vous, qui va vous protéger, vous accompagner dans ce travail de la semaine. Donc, la foudre, en fait, ça ressemble beaucoup à la carte de la tour en tarot. C'est celle qui amène des grandes transformations. C'est-à-dire tout ce qui stagne dans dans votre vie, les béliers, peuvent être sujets à cette foudre, puisque cette stagnation, en fait, tout ce qui stagne est appelé à mourir, parce que ça ne sert plus. Donc tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui a besoin de transformation va recevoir de la foudre, ou en tout cas, tout ce qui est prêt, en fait, à se transformer va recevoir la foudre. Alors la foudre c'est assez c'est violent, hein, c'est des transformations qui se font d'un coup. Vous allez avoir besoin de garder la foi, de mettre un sens sur ce qui se produit et ça va vous aider à avancer. Sachez que tout ce qui est détruit, tout ce qui va être détruit cette semaine, ce sont des choses dont vous n'avez plus besoin. Alors qu'est-ce qui peut être détruit? Des tas de choses en fait. Ça peut être des choses comme une relation qui se termine parce qu'elle a plus de sens, quelque chose au niveau professionnel, quelque chose, ça peut être même sur un système de pensée, vous allez réaliser que ce que vous pensiez être juste jusqu'à présent n'est pas du tout juste, donc vous allez vous reposer en fait des questions sur ce qui, comment dire, sur votre structure en fait. Dans la tour, on a quelque chose d'intéressant, c'est les fondations en fait. Dans la tour, on a la destruction de la tour. Et en fait, c'est les fondations qui n'ont plus de sens, ou qui ont été mal réalisées, mais qui ont été faites comme ça à l'époque parce que ça avait un sens, qui vont être remises en cause. Donc on a destruction, et la foudre, elle apporte la lumière, elle apporte la puissance. Donc on a aussi ce message de lumière pour les béliers dans tout ce travail de destruction de ce qui ne sert plus pour vous. Voilà. Alors ensuite, pour les taureaux. Alors pour les taureaux, nous avons cette carte de purification. Vous allez pouvoir travailler avec la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre qu'on trouve assez facilement. Donc il y a beaucoup de gens peut-être qui en auront une. Donc vous pouvez la sortir. Et l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Lahabiel. Alors la purification, c'est se libérer de tout ce qui est toxique. Donc on a une libération des fardeaux, des choses qui en fait dont vous ne voulez plus. Ça peut être une relation qui vous plombe, des pensées toxiques qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi physique, hein, ça peut être avant de commencer un nettoyage au niveau du corps, ça peut être aussi des blocages affectifs. Il y a aussi la possibilité que vous vous rendiez compte qu'il y a un certain nombre de pensées, d'énergies, d'émotions qui ne sont pas les vôtres. En fait, ce sont des choses qui sont dictées par les autres, qui vous disent que telle chose, c'est pas bien, qu'il faut être en colère contre telle autre chose, qu'il faut penser telle ou telle chose, et vous allez réaliser que ça ne vous appartient pas. Donc, vous allez pouvoir vous purifier. Si vous avez l'habitude de le faire, ou si vous avez envie d'essayer, je vous invite à tester en visualisation les douches de purification. Vous imaginez que vous avez une douche de lumière qui vient, qui coule en fait à travers votre corps et vous prenez bien le temps de sentir en fait que tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, tout ce qui est pollué va partir avec cette douche de lumière. Vous faites tout partir par les pieds, vous faites tout partir à la terre. Voilà. Donc une semaine de purification pour les taureaux. Alors, pour les Gémeaux, vous avez le discernement. Alors, le discernement, donc c'est aller voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et se méfier de toutes les apparences trompeuses. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, parfois on est les personnes les plus douées pour se tromper, pour se raconter des histoires. Donc vous, il va falloir revenir sur la vérité. Alors comment est-ce qu'on revient sur la vérité? On essaye de faire un pas sur le côté,
de prendre une attitude détachée et surtout de ne pas juger. Parce que souvent, lorsqu'on se raconte des histoires, c'est qu'on juge ce qui est en train de se passer et il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc on n'est pas sur je me juge, je ne me trouve pas bien, etc. Non, je regarde la vérité en face. Et une fois que j'ai vu la vérité en face, ça me permet d'avancer, ça permet d'arrêter d'avancer dans le noir, de me raconter des histoires. Alors, au niveau pratique, ça peut être par exemple, je me suis raconté l'histoire qu'il faut absolument que je sois avec une personne, alors qu'en fait, cette personne, elle n'est pas du tout faite pour moi, ce n'est pas une personne qui est importante pour cheminer sur mon chemin de vie, c'est une personne justement qui pourrait être toxique, plutôt qu'une personne qui peut m'accompagner enfin, dans la bienveillance et dans la douceur. Ça peut être, je veux absolument faire tel métier. Or, ben, c'est pas ce métier-là qui me correspond parce que c'est un métier, par exemple, trop dur au niveau du stress. Et moi, même si j'ai les capacités intellectuelles de faire ce métier-là, au niveau de la capacité à tenir le stress, à tenir aussi toute la fausseté qu'il peut y avoir dans ce type de métier, ben non, c'est pas ce type de métier qui me convient. Donc, il vaut mieux que je cherche un métier qui soit plus juste par rapport à qui je suis, pour que je puisse apporter un maximum de choses dans ce travail-là et que je puisse aussi recueillir un maximum de satisfaction. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi regarder avec beaucoup de discernement une relation. Voir où j'en suis, qu'est-ce qui se passe dans ma relation. Bon, là, j'essaye de fermer les yeux en me disant que tout va bien, mais non, tout ne va pas bien. Il faut qu'on pose les choses, il faut qu'on discute. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut se produire pour les Gémeaux. Alors, bien sûr, en fonction de vos vies, ça peut être des choses très différentes. Donc, restez bien dans l'idée de ne pas vous laisser envahir par une tonne d'émotions et de construction mentale. Faites un pas sur le côté et regardez les choses en essayant de dépassionniser le débat, dépassionniser vos vies. Bon, ça n'existe pas comme mot, mais vous comprenez le sens. Alors ensuite, nous avons les cancers. Alors les cancers, vous avez cette très belle carte qui est la carte de la nourriture. L'ange qui vous accompagne, c'est Isda, et vous pouvez vous accompagner de la cornaline. Qui est aussi une pierre qui est assez commune, donc peut-être que vous en avez une et que vous pouvez en trouver une petite pour vous accompagner cette semaine. Donc on est sur la nourriture. Alors la nourriture, c'est pas forcément que ce que l'on mange, bien sûr c'est ce que l'on mange, hein, mais pas que, c'est tout ce qui nous nourrit. Alors pour vous, toute cette semaine, vous allez un peu poser ce que vous mangez, ce que vous avalez, ce que vous recevez. Qu'est-ce que je mange au niveau de ma nourriture? Comment est-ce que je me nourris? Comment je prends soin de mon corps? Qu'est-ce que je lis comme livre? Est-ce que c'est des livres qui m'apportent la paix? Est-ce que ce sont des livres qui m'apportent de l'intelligence? Ou est-ce que ce sont des livres qui vont me faire peur, qui vont me mettre dans un état psychologique négatif et qui vont donc me plomber? Même chose, et ça c'est encore plus vrai parce qu'on est tous énormément impactés par la télévision. De quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je regarde à la télévision? Est-ce que je regarde comment dire, des choses qui font que j'alimente la peur? En fait, c'est vraiment très souvent, comment est-ce que j'alimente les choses? On va être beaucoup sur est-ce que j'alimente la peur? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que j'alimente? Le fait que je ne sois pas réalisée, le fait que j'ai une vision de la vie qui est extrêmement négative et en plus ça ne m'aide absolument pas à mettre des moyens en œuvre pour en sortir et pour sentir que j'ai aussi du pouvoir sur ma vie. Donc attention à tout ce que vous allez faire rentrer dans votre vie. Même chose, je fréquente telle personne, que ce soit des amis, que ce soit au niveau relationnel. Comment est-ce que ça me nourrit? Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Qui me nourrit, qui m'aide, en fait, qui m'aide à avancer sur mon chemin de vie, ou c'est quelque chose qui alimente de la peur, qui alimente de l'autodestruction, etc. Donc, faites très, très attention à tout ce qui vient de l'extérieur et tout ce qui vous nourrit. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le bouc du lion pour représenter le lion. Et là, je trouvais ça assez extraordinaire. On a le cœur de lion avec la déesse Sekhmet, qui est une déesse lionne égyptienne, et l'agate feu.
Alors, le cœur de lion, c'est la passion du cœur. Alors, c'est l'amour en fait, c'est le feu de l'amour, c'est l'énergie intérieure, le feu sacré qui donne la force de soulever des montagnes. Donc, vous, les lions, vous avez déjà ça en vous et là, ça va énormément résonner. Vous allez avoir cette passion, ce cœur qui va s'enflammer, et à vous de diriger cette énergie de façon correcte, et puis surtout à vous de la laisser s'ouvrir. Donc c'est l'énergie du cœur, hein. On doit bien rester sur cette énergie de cœur, donc cette énergie d'amour, cette énergie de reliance. C'est aussi cette énergie-là qui va vous permettre d'avancer, de faire avancer vos projets, d'être sur quelque chose de très constructif, de très positif. Donc reliez-vous toujours à votre cœur quand vous êtes dans la passion. Restez toujours dans le cœur, dans l'unité. Attention à ne pas confondre la passion, on va dire, émotionnelle avec cette passion de cœur de lion, mais restez toujours sur comment dire, pour savoir de quelle passion, sur quelle passion vous êtes. Si vous êtes sur le cœur, sur la flamme, sur le feu sacré, vous allez être sur la construction, sur l'amour, sur la reliance, etc. Et même lorsque vous allez être sur défaire un certain nombre de choses, ça va être toujours dans la perspective et dans comment dire, dans l'idée d'une construction plus belle et disons que sur un chemin de l'amour et du mieux pour le plus grand nombre. Voilà, donc une très très belle semaine pour vous les lions. Alors ensuite nous allons passer aux vierges. Alors les vierges, vous avez cette carte de sacrifice. Alors ce n'est pas une carte, quand on la voit, ça donne pas très envie. Néanmoins, vous êtes quand même accompagnés par Jésus-Christ, donc par le Christ, en cette période de Noël. C'est quand même assez costaud. Votre pierre, c'est la rose Ophia. Donc le sacrifice, c'est le sacrifice par amour. On est vraiment sur l'amour. Le message du Christ, qu'on soit catholique ou pas, hein, au niveau de ce qu'il a apporté comme message au monde, c'est un message d'amour et un message de sacrifice d'une partie de la personnalité. Donc pour manifester votre destinée, il y a certains désirs de la personnalité qui vont devoir s'effacer. Donc vous allez peut-être sentir en fait une sorte de tension entre votre ego et puisque votre âme aimerait bien que vous fassiez. Donc pour vous, ça va être très important d'être aligné et puis d'accepter que tout ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe. Donc comme vous avez Jésus qui vous accompagne, restez bien sur le cœur. Pour vous aider, vous pouvez allumer une bougie chaque fois que vous en avez besoin pour retrouver cette chaleur du cœur et cet amour en fait. Cet amour, donc comment dire, oui, c'est cet élan d'amour dans lequel était le Christ. C'est pas une carte qui est très confortable. Par contre, c'est une carte qui permet d'énormément avancer et de sortir de choses que l'on pensait être juste pour nous et qui en fait ne sont pas forcément justes. Donc vous, les vierges, ça va beaucoup vous aider à vous remettre sur votre juste chemin. Il y a peut-être des choses que vous auriez voulu dans votre vie, mais qui en fait ont l'air bien là maintenant, mais qui ne sont pas du tout alignées avec qui vous êtes. Donc en fait, c'est un peu un investissement aussi pour le long terme. C'est-à-dire si vous êtes sur votre chemin de vie, les choses seront beaucoup plus faciles plus tard. Alors que même si vous pensez que maintenant, là, ce que vous désirez va vous apporter la facilité, ce n'est pas forcément juste sur du plus long terme. Voilà. Si vous êtes chrétien, bien sûr, c'est une très belle semaine pour prier. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est une belle semaine pour vous connecter à l'amour et au cœur. Alors maintenant, nous passons à la balance. Et pour la balance, donc vous êtes accompagné par Marie-Madeleine et vous pouvez utiliser le quartz Aquaaura pour accompagner cette semaine si vous en avez, parce que c'est une pierre qui est plus rare. Vous pouvez aussi repasser sur la vidéo et regarder cette carte pour vous emplir de la force qu'elle peut vous apporter. Donc vous pouvez bien sûr prier Marie-Madeleine aussi.
dans ce travail de l'alchimie divine. L'alchimie, c'est l'art de la transformation, et donc vous allez avoir deux choses en fait. Il va se produire deux choses pour vous. Alors, soit il y a une transformation qui va se faire dans votre vie, une transformation assez radicale, un peu. En fait, ça va dépendre un petit peu des balances, hein. Pour certains, ça va être au niveau professionnel, d'autres, ça va être dans une relation. Donc, voilà, ça peut se produire à plein d'endroits différents. Ça peut se produire aussi au niveau intérieur, ça peut être une alchimie intérieure, une compréhension que vous allez avoir, que vous n'aviez pas jusqu'à présent, une guérison. Hein, avec l'alchimie, on a très souvent aussi des guérisons qui se font. C'est aussi... pour certaines balances, vous allez être des alchimistes. Vous ne vous rendez pas compte, peut-être, mais vous avez cette capacité à transformer le monde juste par votre présence. Et pas seulement avec vos amis, mais peut-être aussi dans des endroits où il y a besoin de lumière. Et juste par votre positionnement, par le fait d'être là, par la paix peut-être que vous pouvez dégager, par l'amour que vous pouvez dégager, eh bien vous apportez quelque chose de doux, quelque chose qui transforme petit à petit des endroits où il y en a besoin. Donc ça peut être des endroits assez violents, ça peut être dans des situations professionnelles où c'est dur, où il n'y a aucune, il n'y a pas de compassion, etc. Vous, juste par votre présence, vous allez apporter ça. Soyez attentifs à ça pendant toute la semaine, ça va être très intéressant pour les personnes qui vont réaliser que bien que ce soit des personnes qui ont l'impression d'être très modestes, elles apportent cette énergie et cette transformation juste par leur présence. Je trouve que c'est une très belle carte, et vous allez voir, c'est très agréable si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous réalisez ce que vous apportez. Ça va vous permettre aussi de l'apporter de façon beaucoup plus grande et d'être beaucoup moins timide et réservé pour apporter cette force, cette paix, cette unité, etc. Voilà, belle semaine donc pour les balances. Alors, pour les scorpions, nous avons la carte le soutien avec l'archange Barbello et le jaspe paysage. Alors, le soutien, ben c'est le soutien de l'univers, et vous êtes particulièrement soutenu pendant cette semaine. Alors, on est tous soutenus, on a tous nos guides, mais là, il vous est demandé de demander justement de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, vous ne faites pas cavalier seul, d'ailleurs, on est tous accompagnés par des guides, mais on n'en a pas tous conscience, et tant qu'on ne demande pas de l'aide, on ne reçoit pas d'aide. Hein. Il y a vraiment ça comme... comme idée, si on ne veut pas d'aide, on ne nous force pas à accepter l'aide. Donc, soyez ouverts, demandez de l'aide, soyez ouverts aux synchronicités, demandez le soutien de vos guides. Vous pouvez demander aussi, pour moi, le soutien, c'est aussi le soutien des autres, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller demander de l'aide à l'extérieur, demander de l'aide. Parfois, c'est même... pas forcément des gens avec qui on a des relations très proches. Ça peut être un collègue de travail qu'on connaît pas trop, mais qui peut vous aider, vous expliquer, vous donner un petit coup de main pour avancer sur quelque chose. Donc voilà, il y a ces aides-là qui viennent un petit peu de partout. Et vous êtes particulièrement soutenu pendant cette semaine. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit dans le monde invisible ou que ce soit dans le monde matérialisé. Arrêtez de faire cavalier seul, c'est important d'apprendre à demander de l'aide. Et aussi, on travaille donc bien sûr l'humilité, et aussi on travaille la confiance dans le fait qu'on n'est pas seul, qu'on n'avance pas tout seul, chacun de notre côté sur ses chemins de vie, mais on est tous reliés les uns aux autres. Alors, pour les Sagittaires, vous avez la déesse Bastet et l'œil de chat pour vous accompagner dans ce travail sur le plaisir sacré. Alors donc, pour vous, toute cette semaine-là, vous allez être sur cette notion de plaisir et sur l'idée un petit peu de mettre un peu de douceur dans le monde de brut dans lequel vous vivez certainement actuellement. Alors, donc, vous allez avoir à aller chercher ce plaisir un petit peu de partout, et surtout à travers les sens, à travers la sensualité, à travers le corps, comme nous l'indique cette déesse chat Bastet.
Donc, ça veut dire profiter de ses plaisirs, du toucher, de ses plaisirs de la douceur, de la beauté aussi. Achetez-vous peut-être une fleur, un tout petit pot avec une fleur. Allez rechercher ce plaisir, le plaisir du palais, en mangeant quelque chose qui est bon. Alors, parfois, et ça concerne pas mal de monde, on s'en est pas toujours conscient. On a du mal avec le plaisir et lorsqu'on est dans une situation où on a du plaisir, on peut se retrouver dans un peu de confusion, on peut avoir honte, un petit peu culpabilisé. Et puis souvent aussi, lorsqu'on est sur du plaisir, où on se pose à un endroit, on prend un thé, on peut, voilà, on peut voilà, lâcher un peu. Et on a aussi cette peur de la paresse. C'est quelque chose qui est assez ancré. Dans notre éducation, et en fait, on confond la paresse avec la capacité à lâcher et à être capable de prendre du plaisir. Donc, c'est pas parce que vous allez prendre du temps et un peu vous relâcher que vous allez partir dans un monde de paresse où vous n'allez plus rien faire, vous n'allez plus vous contrôler. Il y a une différence entre tout contrôler et être maître de sa vie. On peut très bien être maître de sa vie et avoir des moments où on lâche et où on est dans le plaisir, dans le ressenti, et pas forcément dans l'hyperactivité. Donc pour vous, toute cette semaine-là, les Sagittaires, ça va être un travail là-dessus. Ça va être un travail très intéressant et j'espère que vous allez en faire un travail très agréable aussi. Voilà, pour les Sagittaires. Donc c'est une semaine assez sympa pour vous. Alors, on va passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, vous avez une très belle carte avec la déesse Maya et le quartz rubis. Et vous avez ce message de la présence implacable. Alors, la présence implacable, c'est le pouvoir du moment présent. C'est un peu écartelé qui est dans cette carte-là. Être présent sur ce qui se passe, sans porter de jugement. Être juste là à soi. Pour accéder à sa vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour moi à l'instant présent, dans quel état je suis. Là, je suis dans une position où je suis dans un, voilà, j'ai peur, par exemple, je suis dans cet état présent, j'essaie pas de fuir ce qui se passe, je le regarde en face. Là, je suis dans un état de joie, là, je suis dans un état de gêne, là, je suis, voilà. Donc, c'est énormément lié aux émotions et aux ressentis. On vous demande d'être pleinement conscient de tous vos ressentis et d'être sûr qu'est-ce qui se passe là maintenant et pas qu'est-ce que j'ai peur de demain, je pense à hier, non, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je suis en train de vivre là maintenant. Ça va énormément vous aider à accéder à qui vous êtes, à accéder à votre vérité. Vous allez vous regarder vraiment face à face, un peu vous voir dans un miroir. Parfois ça fait un peu peur. Parfois, ça fait trembler un peu le sol sous nos pieds parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Et ça demande pas mal d'énergie et pas mal d'attention. Donc pour vous, ça va être une semaine où il va falloir, voilà, mettre toute votre attention dans le moment présent et dans qui vous êtes et voir ce qui se passe pour vous là, ici, maintenant. Et ça, à chaque instant, pendant toute cette semaine. C'est un travail super intéressant. C'est un travail qui permet de mieux se connaître et de mieux se connaître de façon très simple, sans aller chercher des choses très complexes. Je regarde qu'est-ce que je fais là au moment présent, comment je ressens les choses. Ah bah tiens, là, oui, je suis pas super bienveillante. Ben voilà, je suis comme ça aussi. C'est aussi une partie de moi. J'ai une partie bienveillante, une partie qui n'est pas bienveillante. Voilà ce qui se passe pour moi là maintenant. Donc ça veut dire regarder les choses sans les juger. Parce que si vous commencez à les juger, vous n'allez plus vouloir les voir. Vous allez voir des belles choses sur vous, vous allez voir des choses sombres, c'est normal, on est tous faits comme ça. On a tous de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, on a tous de la malveillance, de la jalousie, de la haine, de la colère, etc. Donc laissez-vous, regardez-vous bien dans tous ces aspects-là. Et acceptez-vous dans ces aspects-là en vous disant que vous êtes juste comme les autres, comme votre voisin, comme la personne qui vous semble superbe de loin. Elle est pareille, elle a les mêmes choses. On est tous faits du même, on a tous été pétris avec la même terre. Donc voilà, on a ça en nous et c'est important d'aller le visiter et de l'accepter. Et je vous dis, ça va beaucoup vous aider à vous connaître
Et vous ne pouvez être dans l'amour, dans la bienveillance, etc., que si vous connaissez aussi tous vos aspects sombres. Et surtout si vous êtes sûr du moment présent et oui, de la présence à ce qui se produit là, ici, maintenant. Voilà, si vous avez le livre décartolé, c'est aussi le moment de rejeter un petit coup d'œil dessus. Alors ensuite, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on a une superbe carte avec l'ange Baltiel et le quartz rose. Et le message, c'est la paix du cœur. Alors, la paix du cœur, dans ce message-là, en fait, il y a trois messages. Donc, ça veut dire peut-être les trois messages en même temps ou peut-être un seul message en fonction de ce que chaque Verseau va vivre cette semaine. Le premier message, c'est que le cœur est en cours de guérison. Donc, on va avoir la possibilité d'ouvrir plus son cœur, hein, pour les Verseaux, capacité d'ouvrir plus son cœur parce qu'il y a eu de la guérison. La guérison, c'est quoi? C'est s'aimer et aimer le monde malgré nos imperfections, malgré les imperfections du monde. C'est un sacré challenge, c'est vachement difficile. Et pour les Verseaux, ça va être possible la semaine prochaine. Sachez aussi, Verseau, que dans l'ouverture du cœur, donc le retour au cœur et l'ouverture du cœur, donc c'est la confiance, c'est la paix, etc., vous allez être capable de résoudre des problèmes. Ça va vous aider pour résoudre des problèmes. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le conflit, dans la défiance, etc. Mais si vous êtes dans l'ouverture, vous allez avoir des choses qui vont arriver et on va pouvoir être dans cette idée de capacité à résoudre des problèmes à partir du cœur. La deuxième chose, le deuxième message, c'est la capacité en fait d'être guidé, donc par ce quartz rose, certainement par l'ange aussi, vers vos désirs les plus chers, donc toujours des désirs à partir du cœur, bien sûr, et la capacité aussi de les prendre en compte, de regarder quelle est la voie qui est juste pour vous, quelle est la voie du cœur pour vous. Donc vous allez être capable de les voir. Si vous ouvrez bien les yeux, si vous êtes attentif et ouvert, et vous allez pouvoir commencer à les prendre en compte. Donc, c'est des messages de vie, c'est des messages de chemin de vie qui sont importants et qui sont vraiment, vraiment très chouettes, hein. La paix dans le cœur aussi, on arrive au moment de Noël et on a ça en fait, hein, comme message à Noël. Troisième chose, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ne doutez pas du pouvoir du cœur pour régler les problèmes, nous dit Alana Fairchild. Donc voilà, on est capable de résoudre des problèmes. Parfois, on se sent un peu submergé, on ne va pas réussir à résoudre tous ces problèmes. Alors, ça me parle bien, puisque moi, je suis Verseau, j'ai des problèmes techniques et j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Et en fait, si on le fait à partir du cœur, on a un grand pouvoir et on a la capacité d'aller dans le monde pratique pour résoudre ces problèmes. Et puis, dernier signe, les poissons, avec une superbe carte qui est la carte de la foi inconditionnelle avec Marie et la Célestine, pardon, la Célestite, qui est une pierre qui est liée justement à l'énergie de Marie. Alors là, on parle de foi inconditionnelle. Donc pour les poissons, c'est le moment de garder la foi. C'est le moment de voilà, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en ses anges gardiens, en ses guides. Et pour les anxieux chroniques, nous dit Alan Fairchild, c'est un grand soulagement, et ça c'est vrai, que la foi, c'est quelque chose qui peut accompagner et aider à soulager l'anxiété chronique. Donc voilà, donc on a ce travail-là. Donc c'est des moments pour prier, c'est des moments pour se connecter au mystérieux. Ça va permettre de ne pas se limiter aux contraintes, aux peurs du mental. Ça va permettre aussi de faciliter les choses. Quand on a la foi, les choses sont beaucoup plus faciles.
Parce que comme on a la foi, qu'on n'est pas fermé, on va voir les synchronicités, on va voir les choses qui se présentent à nous et qui sont là pour nous aider et nous accompagner. Donc c'est vraiment bien. Donc pour les poissons, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est connectez-vous au mystérieux, à votre système de croyance et faites-le vivre, faites-le... ressentez-le à l'intérieur, ressentez cette foi à l'intérieur, soufflez sur cette flamme de la foi, ça va énormément vous aider pour avancer, que ce soit dans le cadre émotionnel, pour vous aider à vous calmer, à vous poser, ou que ce soit même pour trouver des solutions, même chose, des solutions pratiques à vos problèmes. Ça va vous permettre d'aller voir au-delà des limitations que votre mental vous apporte. Et ça va énormément, donc, comme je disais tout à l'heure, vous faciliter les choses. Alors, je vous souhaite une très belle semaine d'avant Noël, et puis enfin, il y a le 24 décembre aussi dans cette semaine-là, donc... des belles fêtes, beaux débuts de fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous aussi donc pour de prochaines vidéos. À bientôt.